Approche. Je ne vais pas te manger, mon petit loup. Il te faudrait au moins un chapeau pointu pour aller avec ton nez, des chaussures à talons hauts, des gants pour tes grandes mains, des chaussettes à poids pour tes grands pieds. Dis donc, tu ne serais pas fabriqué un peu disproportionné? Regardez-le. Il est tout petit et menu, mais avec des grandes mains, grands pieds, grand nez et une grande, vous voyez ce que je veux dire, dans l'entrejambe. Enfin, j'imagine, ce serait logique. Oh, je l'ai fait rougir comme un collégien. Allez, bon, revenons au costume. Un peu militaire, mais hippie en même temps. Plusieurs couches de vêtements. Comme des strates de ta personnalité. Une fine moustache, peut-être. Des bottes? Ah oui, des bottes. Des bêtes bottes de cow-boy. Ou des sandales de chanvre. Ou bottes style équestre. Notez, s'il vous plaît. Alfredo, vous notez. Lunettes carrées, style écaille de dinosaure. Pour le mystère? Ou rose. Notez, Alfredo, notez. Oh là là. Mais il a la taille fine, le petit chouchou. Je vois un pantalon bouffant, un peu oriental. Oui, avec des babouches, ce serait exquis et néo-décontracté. Le cigare, notez Alfredo, le cigare. Toujours le cigare au bec, ça serait bien. Post-révolution cubaine, mais le visage poudré de blanc. Oh non, je ne sais plus. Peut-être accentuer le favori, oui, comme ça, et la pipe au bec. Pour le côté rétro sympa. Notez, Alfredo, notez. Un foulard aux couleurs vives. Bon, Alfredo, vous avez tout pris en note. Je dessine le patron et on se revoit demain après-midi pour essayer tout ça, mon petit chou. Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous parler de la mode. La mode, c'est pas tout. La mode, des fois, c'est vraiment ennuyant. Comme vous le savez, la mode des fois c'est comme des Barbies. Mais les Barbies, on s'en fout complètement. Alors des fois il y a des dames qui se trouvent super belles. Alors ils se disent, moi je vais suivre la mode. Mais la mode c'est pas vraiment toi.